Toutes les Opel Astra ont eu droit à leur version cabriolet. La dernière en date était la Twin Top à toit rigide escamotable. Pour sa nouvelle génération, Opel a décidé de revenir à la capote en toile et surtout de changer de nom. Elle est devenue Cascada, histoire de dire qu'il s'agit moins d'une Astra cabriolet que d'un modèle à part entière. Avec 4,70 m de long, la Cascada affiche un gabarit équivalent à celui de l'Audi A5 cabriolet, donc très grand vu sa catégorie d'origine. Cette Cascada en impose, mais on reconnaît la famille Astra, en tout cas à l'avant ou par les motorisations proposées. À l'intérieur, on reconnaît également l'Astra, dont la Cascada reprend à la planche de bord. Les rares différences viennent des revêtements plus flatteurs et de la commande de capote entièrement électrique. Celle-ci se déploie en 17 secondes, y compris en roulant jusqu'à 50 km/h. La finition Cosmopac a droit d'office à une sellerie cuir et des sièges chauffants. Ici, ils sont même ventilés. À l'arrière, malgré le gabarit de la voiture, les passagers sont un peu serrés, à la fois aux jambes et aux têtes, capote fermée bien sûr. Le coffre passe de 280 à 380 décimètres cubes selon la position de la capote. La Cascada souffle le chaud et le froid. Notre modèle laissait trop entendre sa sonorité diesel en phase d'accélération, mais ça va mieux à vitesse stabilisée. Côté châssis, la voiture est confortable mais manque de dynamisme. À plus de 1800 kg, la Cascada n'aime pas les petites routes sauf pour la balade. Le moteur, malgré un couple important, ne fait pas sensation. La boîte auto de notre modèle se montre certes très douce, mais sa gestion laisse à désirer. Mais en position décapotée, les remous d'air sont quasiment inexistants, même à 130 km/h et même sans filet anti-remous. Bravo! Rarement un cabriolet n'a été aussi clairement orienté balade. Cette Cascada enchantera les promeneurs. Pourtant, elle profite d'un train avant à pivot découplé qui lui assure une certaine précision et aurait pu contribuer à la rendre dynamique. Mais son poids vraiment trop élevé la pénalise beaucoup pour les enchaînements de virages, pour les performances et les consommations. Particulièrement avec cette boîte auto, décidément pas du tout à la page. Elle consomme 1 litre de plus et rejette 25 g par kilomètre de CO2 en plus que la même version en boîte manuelle. C'est vraiment trop.